messieurs dames, aujourd'hui on n'est pas tout seul, on est en compagnie de Michou. Comment ça va l'équipe? Je suis trop content mec de tourner avec toi, c'est la première fois que t'as paru officiellement sur ma chaîne. Enfin, t'étais déjà apparu en coup de vent dans un détecteur de mensonges. Est-ce que avant que je sorte avec Elsa, t'avais un crush sur elle? Mec, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir d'être là. Faire pour un concept exceptionnel. Ah, tu me fais une belle perche. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour faire un échange de cartes bleues. Ça faisait 2 ans et demi, 3 ans que j'avais pas fait. Trop content de le faire avec toi aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que normalement, quand on sort cette vidéo, on est très proche des 5 millions d'abonnés. Attends, vidéo des 5 millions? Ouais, en gros, c'est la vidéo des 5 millions. Arrête! Si, je te jure. Il fallait pas me dire ça. Pourquoi? Mais tu viens de me dire ça. Ah, tu vas me régaler. Tu vas me régaler avec ma propre carte. Oh, mec, ça fait trop plaisir. Bah, c'est vraiment pas le but de la vidéo. C'est un vrai frère, les gars. Même si ça paraît très con et très simple, on explique le concept très rapidement. Avec Michou, nous allons nous échanger nos cartes bleues et on va avoir genre toute une journée pour dépenser absolument tout ce qu'on veut. Putain, c'est incroyable. Le but étant de régaler le plus possible les gens, de se régaler un petit peu nous aussi forcément. On peut se régaler nous? Ouais, tu fais ce que tu veux. Oh mais béné! Il va tous ses plans. Oh mais béné! Moi j'étais en mode bon, on va régaler les abos. Les l'idée c'est bah tu peux régaler les abos, tu peux me régaler hein. Cette vidéo est en partenariat avec NordVPN, on en parle dans quelques instants. Mais avant ça, Michou, je te propose d'échanger nos cartes bleues. Ah maintenant là? Ouais, moment très solennel. À partir du moment où on échange nos cartes, ça va partir en couille. Je tiens à préciser, on a fait un truc tous les deux qui était un peu marrant. On a appelé nos banquiers et on leur a dit: allô, c'est possible d'augmenter nos plafonds de fou furieux? Tiens, mais moi mon banquier frère, c'est un starbé hein. Ah ouais? Je lui ai dit bon, voilà, il va y avoir du budget et tout, j'en sais rien, augmente à 30 000 euros. Il m'a envoyé un message, il a dit ton plafond est pour 100 000 euros. Oh, il est sympa ton banquier, putain. Waouh. Non, mais après 100 000 euros, frère. Ouais, faut y aller hein. Faudrait commander des voitures pour ça. Sure. Imagine. Bref, vas-y. Et tu me la donnes, ouais. Et tu la prends. Bah oui, c'est en même temps. Ouais, c'est en même temps. Quand tu la prends, tu me la donnes. C'est en même temps, mon gars. Attends, parce que ça. C'est pas ça. Yuki. Yuki, allô, Yuki. Je suis. Oh, le bâtard, il est avec Yuki. Frérot, t'inquiète. Regarde, je suis gentil. Regarde, je caresse ton maître. Hein? Non, tranquille. C'est parti, Michou, quand tu veux. Les gars, j'ai la carte de Michou. Let's go. Allez, go Porsche, go Porsche. Comment ça, l'histoire de Porsche, là? Mais mec, c'est une banne, genre. Mais moi, ça va pas être une vanne. Quoi? Cette vidéo, messieurs dames, est en partenariat avec NordVPN et on en parle tout de suite. NordVPN, c'est tout simplement le meilleur VPN du marché. C'est celui qui va vous permettre de changer d'adresse IP pour mater du contenu non accessible en France et donc par extension vous permettre de faire des économies. C'est aussi un VPN très facile d'utilisation, très rapide, le plus rapide en fait. Il est également disponible sur toutes les plateformes principales qui s'affichent actuellement à l'écran. Bref, c'est le meilleur, tout simplement. En plus de ça, maintenant NordVPN, c'est aussi un puissant outil de cybersécurité. Et on est dans le thème puisqu'avec NordVPN, vos données personnelles et plus particulièrement vos codes de carte bleue sont protégés lorsque vous faites des achats en ligne. Bon, y a pas que ça, vous êtes également protégé des virus et en bonus, comme ça, tranquillement. NordVPN bloque également les publicités les plus agaçantes sur vos pages internet. En clair, vous êtes bien. Le tout, bien entendu, pour un prix très accessible. Et d'ailleurs, j'en profite. En première ligne de description sous cette vidéo, vous avez un lien. Si vous cliquez dessus et que vous souscrivez à l'offre des 2 ans d'abonnement, vous avez les 4 premiers mois offerts et ça vous revient à un total de 2,88€ par mois. Allez au moins checker. Vous cliquez sur le lien, première ligne de description ou en commentaire épinglé. Ça coûte rien, comme ça au moins vous regardez un petit peu, vous prenez les infos. Sur ce, messieurs, dames, j'ai une carte bleue à aller faire fumer. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et place aux achats. Oh putain, j'ai la carte de massue. Oh, ça va flamber. Oh, ça va flamber, frère. Les gars, je me sens bien. Je me sens léger. J'ai l'impression que tous les problèmes se sont envolés grâce à la carte de Michou, quoi. Ok, c'est parti. Me dis pas, il a fermé. Et bah les gars, c'est parti, on va en ville, on va découvrir Angers. Moi je connais pas plus Angers que ça. On va voir un petit peu les boutiques qu'il y a. Si on croise des gens, etc. Honnêtement, ça part en impro. J'ai beaucoup d'argent à dépenser aujourd'hui, donc Pour commencer, je pense, c'est quoi? On va commencer dans le studio tranquille et on va se remettre les idées un peu en ordre. Premières idées, en vrai j'ai préparé des petits trucs. Moi déjà, franchement j'ai envie de régaler les gens. Là je me dis, il faut régaler le plus possible les gens. Donc déjà premièrement, je pense que ce qu'on va faire, c'est que là, tous les abonnés en France, en Suisse, peu importe où, ils peuvent pas être présents physiquement. Donc je pense qu'on va, tout au long de la vidéo, essayer d'acheter genre des, je sais pas, des cartes cadeaux Fnac ou trucs comme ça. Des codes quoi. Ouais, des codes, et on va les insérer un peu partout dans la vidéo. Le premier, ah, ça part vite, hop. Un autre livre, hop. Ça part vite hein, il va y en avoir tout le long de la vidéo comme ça. Même si vous n'êtes pas présent sur Angers, bah vous pourrez un petit peu vous régaler par-ci par-là. Je crois que j'ai à peu près tout dit, t'as un truc sous le pied gros. Ah, mais ce serait pas une carte de 20€ ou quoi? Ouais, j'ai l'impression que c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Juste la carte SD, elle est où? Ah, Il reste 2 minutes sur ça. Oh merde, on a fait des cons. Deuxième point, je pense à abonner, je pense à l'un de mes premiers abonnés, ma mère. Oui. On a fait je ne sais pas combien de vidéos, où à chaque fois j'essayais de caler un vélo électrique pour ma mère. Ouais.
dernier objet. C'est pas pour moi, c'est pour ma maman. Elle a toujours voulu avoir un vélo électrique. Et là, je me dis, mec, c'est le moment de lui offrir. Ça fait un moment qu'elle veut un vélo électrique. Pourquoi est-ce que tu lui offrirais pas, tu vois? Ça pourrait être sympa. Il est gagné, gros. Personne me le donne. Achète toutes les vidéos au lot où on fait le perdant, il a ça. Je n'ai jamais eu le vélo électrique pour ma maman. Donc là, mec. Putain, mais par contre, je connais pas la marque. Moi, je pense pas besoin d'aller sur les trucs les moins chers, hein, tu sais. Il est beau, lui. Ouais, il est. Il est beau, hein. Il est beau, mais pas assez cher, peut-être. C'est vraiment des réflexions de connard. Non, mais lui, il est pas mal, hein. Je pense que moi, c'est un vélo qui plaît à ma mère, ça. Ajoute au panier. Attends, tu crois qu'on parle avec du rap ? Tiens. Attends, non. Mon gars. T'es sur quel site ? Moi, mon gars, t'inquiète pas. Wesh. D'accord ? Non, tranquille. 899 euros. Quoi ? Les frères, j'ai même pas encore dépensé un euro. J'ai une réduction. Mais j'espère bien. Attends, bah alors là, je vais t'aider. Je vais t'aider. Allô, maman ? Ouais, c'est bon pour ton vélo, du coup, comme convenu. Ah, c'est pour ta daronne ? Ouais. Mec, prends-en 3 des vélos. Oh, il est trop mignon ! Il est trop mignon. Putain, il a déjà... Attends. Si je mets les choses au clair, là, il a déjà acheté un vélo à 1000 balles. Ouais. Allez, c'est parti. Messieurs, où est-ce que je vous emmène ? L'endroit où il y a le plus de boutiques à Angers. Je vous propose d'aller dans un petit centre où il y a un Maxiso pour qu'on puisse en même temps prendre une petite laisse pour mademoiselle Yuki. Ah. Le Maxiso, c'est pas mal. Mais on va pas prendre qu'une laisse pour Yuki, hein. C'est Masu qui régale. Bon, on range la carte. Pas pour la ressortir dans très longtemps, parce qu'on va bouger. Là, mon gars, il est 11h49. On a le temps, on peut aller manger. Ouais, tiens. Ça peut être sympa. Tu veux manger où? En vrai, on va pas faire des bâtards, on va pas manger dans un resto. Non, ce serait abusé, ouais. Non, mais genre, ouais, tu sais. Un petit resto cool, quoi. Ouais, classique. Non, mon gars, j'ai envie de me prendre un petit champagne, mais modeste, tu vois. Domaine Jacques Cellos, 260 euros. Je pense que c'est pas mal ça, non? Ça a l'air d'être la moins chère de la carte, gros. En vrai, on va prendre ça, on va pas abuser. Ouais. Ok, frérot, je crois qu'on est dans un des plus grands centres commerciaux d'Angers. J'en sais, en vrai, je connais pas trop. Ça va ou quoi? Vas-y, avec plaisir, mon ref. Tu veux une photo? Ouais, ouais. Tu veux un cadeau en plus? Allez. Allez. Y'a quoi comme magasin bien? Y'a la boutique Disco, y'a Nike. Y'a Nike? Ouais. Ah, oh, ça c'est parfait. Bon, mon ref. À la tienne, hein? À la tienne. Merci, Michou. Oh là 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 là. Frérot, tu veux quoi? Attends, mais y'a des trucs bien. Vrai? Oh! Je vais péter un plomb. C'est moi. Y'a moi, mais en gris. Oh, y'a des pères, sa mère. Ouah, mais là, mastu. Oh là, frérot. Putain, ma carte. Mec, je suis trop généreux ou quoi? Ouais. Oh, c'est ma taille. C'est pour femme normalement, mais je les trouve magnifiques. Allez hop, ça c'est pour WAM. Bon, en vrai, je pourrais me permettre d'acheter tout et n'importe quoi, mais j'ai quand même envie d'acheter ce que je kiffe réellement. J'ai une question, vous achetez des trucs là? Oui, nous. Oui. Attendez-moi à la caisse, j'arrive. Bah moi je viens acheter aussi. Bah achète, regarde pas les prix. Vrai, je parle sincèrement. Là je vois qu'il y a du monde autour de moi. Faites-moi confiance, aujourd'hui je régale tout le monde. Aujourd'hui, attends parce que ça peut faire vite cher. Ouais. Ah, vous n'avez pas plus gros. Parce que ben, j'ai pas envie d'abuser de la bienveillance et de la gentillesse de Michou, j'ai l'impression que c'est... Et bah les Ok, il y a du... Ah ouais, il y a du monde, hein. Ah ouais, il y a du monde. Et bah c'est parti. C'est parti. C'est vous qui commencez? Bah oui. Eh non, mais c'est bon, il y a tous les caissiers, ils sont prêts. Vous m'appelez, dès qu'il y a besoin de payer, je suis là. Là, ça s'est mis bien. Il y a des paires de chaussures, il y a des ballons. 97,47, premier paiement. C'est la carte de vestu. Quoi? C'est pas la carte de Massy? Non, c'est la mienne. Non, aujourd'hui je suis en mode générosité. Oh, oh là 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 là. Avec plaisir, avec merci plaisir. Vous. Franchement, en vrai c'est Massu qui régale. Voilà. Bon les gars, actuellement on est au restaurant Les Petits Prés sur Angers. On vient de se régaler. Merci Michou. Les gars, il y a une petite surprise supplémentaire, c'est que juste derrière vous, il y a un abonné qui m'a reconnu. Et là, il est en train de manger, je crois, avec son papa. On va leur payer leur table. Mais ils sont pas du tout au courant. Du côté de Michou, en attendant. 140 euros. Ah, ça c'est fait plaisir, monsieur. Les enfants. Vous avez raison, j'aurais fait la même. Hop là. Ah oui, le frérot, lui, faut qu'il passe. Ah ouais. Hey, il y a sa mère qui l'attend. Salut BG. Bon, lui, il y a sa mère qui l'attend. T'as kidnappé, frère. Ah, faut payer. Ah, capitaine. Là, ah, vous êtes deux. Et bah, c'est approuvé. Oh, magnifique. Putain, ça charbonne, frère. Il faut payer ici. Allez, c'est parti. Oh là là, 111 euros. Franchement, ça m'a jamais autant fait plaisir d'offrir. De un, ça détend. Mais de deux, en vrai, j'offre rien.
On a bien mangé hein. Voilà, merci Michou hein. Regarde, regarde tous les tickets de caisse après hein. Ah ouais. Ça c'est tout ce que j'ai payé. Il reste tout ça. Merci beaucoup hein. Avec plaisir, y a pas de problème. Tu connais Mastu? Non. Mastu tu connais pas? Va t'abonner, ça lui fera plaisir. Vous êtes abonné à Mastu? Oui. Mon fils oui, mais moi non. Abonnez-vous à Mastu. Mon fils va me faire je vous jure, c'est il le mérite. Vous êtes abonné à Mastu? Ouais, oui. Toi t'es abonné? Ah bah, ouais. À quoi? Qui Mathieu? J'ai mal dit? Mathieu? Je suis pas sûr que t'es abonné là. Hein. Là, il y a le serveur qui va annoncer aux gens, du coup, juste derrière, que du coup, on vient de leur payer leur table. Ok, magique. Non, monsieur, je vous invite sur le. Non. C'est incroyable. Ah, c'est avec plaisir, c'est sûr. Merci beaucoup. Bah, pas de soucis. Merci, Mathieu. Merci, Michou. Pas presque fini hein. N'empêche, franchement ça doit faire au moins 30 minutes que je régale. Ça fait 40. 40 minutes je suis en train de régaler les gens là. Je peux faire un 24 heures comme ça hein. Moi franchement je kiffe. Je fais des rencontres, tout le monde m'aime, je ne sais pas pourquoi. On rend les gens heureux et même moi ça me rend heureux. Mastu un peu moins. Mais il est en train de se faire kiffer aussi hein. Attends, je suis en train de réaliser mais en fait là, il fait la même chose mais avec ma carte. Avec quoi? Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Tu crois pas si bien dire mon grand. Bon, pour vous expliquer, là avec Jules on se rend à la Fnac pour une petite surprise à Michou. On va acheter en gros 300 cartes cadeaux d'une valeur de 20€. Et à 18h on se donnera rendez-vous tous ensemble pour les distribuer tranquillement aux gens. 300 cartes comme ça, premier arrivé, premier servi. J'en fais peut-être un peu trop mais en vrai j'ai hâte. Bon les gars, c'est passé mec, c'est bon. Du coup à 17h on revient, ils auront fait toutes les cartes cadeaux en avance. 300 balles de 300 cartes. 300 cartes de 20€ soit 6000€. Mec, Michou il va avoir fou hein. Waouh, 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 waouh. La grosse qui... Waouh, la giga kishta. What, mes frères. Attends, c'est vraiment un ticket par commande? Ouais. Mes frères. Je pense qu'en moyenne, on a 3000. 4000. Ouais, 3 et 4000. Ouais, gros. Y'a pas de problème, y'a pas de problème, c'est pas mon argent. Mon gars, j'ai envie de jouer un peu à des ouais, jeux. Je crois qu'il y a du restock un peu de PS5 en ce moment. Je crois qu'il y a du restock de PS5 comme par hasard ouais. Aujourd'hui ouais. À Micromania, à l'espace Anjou d'Angers, je crois. Je crois aussi, ouais. Ok, non, ça va, vous êtes pas trop. Bon, je demande votre attention à tous. Je suis ici pour une vidéo. Vous connaissez le youtubeur Michou? Oui. On échange nos cartes bleues pendant 24 heures. Du coup, là, vous avez très exactement 30 secondes pour prendre tout ce que vous voulez dans le magasin. À partir de maintenant. Regarde. Oh, merci. Regarde le bord. C'est gros. Il reste quelques secondes. Il est au bout. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Oh. Tout le monde revient ici. C'est wow, hey. Vous allez vraiment tout mettre. Ouais, on va voir si la carte passe. Normalement, ça passe. Oh, là, là. Merci, Michou. Hey, merci, mon gars. Hey, merci, Michou. Ouais, merci, Michou. Merci, Michou. Merci, Michou. Maxizo. On est devant Maxizo quand même, on avait oublié Yuki, la pauvre. Là-bas c'est Yuki que je vais régaler en premier, du coup pas du tout. Alors pour Yuki, qu'est-ce qu'on peut lui prendre? Bon, des trucs utiles qu'elle a pas déjà. Yuki c'est un chien. Ah bah c'est tombé, t'achètes. Allez. Vous me dites quand il faut payer, moi je suis là, c'est avec plaisir. Je le fais avec le smile. J'ai jamais été aussi content de payer quelque chose. Mais, du coup, mais imagine si tu pouvais faire ça tout le temps quoi. T'arrives et tu fais bon bah allez. Si tu veux. Premier montant, tiens, t'es stupide. Premier montant d'une longue série, Mich. Hop les. Oh, y'a des petits harnais et tout. Oh là 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 là. Petit harnais rouge. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais, c'est faisable. Je suis désolé de te demander ça. Dis-moi. En fait, y'a ma copine et moi et on déménage bientôt. Et on a vu une belle table à but. Il a vu la vidéo, il a saisi l'opportunité. Ah, mais non, mais non, mais on t'a vu toi. Mais si, y a, si c'est non, il n'y a pas de souci, c'est normal. C'est à but, c'est loin but. C'est juste là à côté. Vas-y, bah reste dans les, reste derrière Hugo, t'inquiète. Ouais, merci. Je suis ton homme. Oh, vous gérez. Les gens ont capté qu'il y avait de l'argent à prendre. J'aime pas, mais... De toute façon, tu sais que c'est le concept et que moi, en vrai, ça me dérange pas. Merci, Mastu, hein. Merci. T'as raison, frère. Je pense que tous ceux qui regardent la vidéo, les gars, vous aurez tous fait la même chose. Vous m'auriez vu comme ça avec la carte bleue, prêt à tout payer. Vous auriez dit PS5. Ah, ça a pris full switch là. T'avais fait une équipe Nintendo là, genre. Oui, on était 4. Je vois comment j'aurais réagi à l'époque, mec. J'étais tellement fan de jeux vidéo. Si on m'avait dit, ouais, bah vas-y, régale-toi, prends ce que tu veux. J'aurais pas cru. Moi, je crois que j'aurais tout pété. Ouais. J'ai une question. Tu sais, d'habitude, quand on paye là au TPE, tu sais, ça propose en mode voulez-vous faire un don à l'association? Alors, nous, on fait pas ça. Nous, en fait, c'est les clients qui prennent ce qu'ils veulent dans le magasin. Ah, vous faites pas ça. En fait, si vous voulez, voilà, vous avez le meuble où il y a écrit.
En fait, vous prenez ce que vous voulez dans les magasins, vous le payez et vous le mettez dedans. Et c'est, ça va à des refuges pour animaux ? Ça va à des associations. Mes frères ! Mes frères ! Mais tout ce qu'ils veulent, je leur prends le refuge ! C'est vrai. Du coup, c'est Dakar, toi. Alors ce matin, enfin ce midi, vous étiez à Nike. Ouais, ce matin, j'étais à Nike. Ok, et du coup, il vous a payé des trucs avec ma carte bleue. Ouais. Le crossover. Bah, c'est pas de mon plein gré, mais c'est avec plaisir. C'est incroyable. Pardon. 1195 euros. Ouais, mon gamiche, ça monte vite là. Fou. Mec, tu es trop en gauche quand t'es à 3 mètres là. Non, n'importe quoi, vas-y, regarde pas mon coup. Chelou. Ici, par ici, par ici, qu'est-ce qu'on a? C'est comment? On va prendre de tout parce que j'imagine qu'il y a. Il y a des adultes, il y a des chiots. Ça part. Ça part. Et je crois qu'il va falloir ramener un deuxième caddie. Le caddie va pas tenir, gros. Hein. Mais attends, il y a 3 caddies. Bah vas-y, go, remplis. Bah, on va remplir les 3 caddies, frère. Attention, attention, attention. Je pense que je ferai pas pire que l'autre. Hein. Non, l'autre c'était un record encore. Si, tu feras pire. Qu'est-ce que vous avez pris? Franchement, c'est pour ma petite sœur, elle va être contente. Non, mais. Tiens, j'ai jamais autant payé toute ma vie, ça fait plaisir. Oh là 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 là. Oh oui, bah alors là c'est. Oh, oh, une petite baleine. Celle-là, elle sera pour Yuki, cette petite baleine. Ouais. Hop. Tac. Des jouets comme ça. C'est drôle. Par contre, les gens qui travaillent au refuge. On va les rendre ouf. Mon gars, j'arrive avec 3 chariots armés. Et ce qui est fou, c'est que tu vas payer et tu vas partir sans rien. Ça part direct au refuge. Ouais. En vrai, c'est incroyable. Tu penses que ça se passe comment du côté de Massu? Putain, j'avoue. Je me demande Massu là, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ma carte? Ah pardon, Mich, t'es là? Excuse-moi. De retour, micro, mania. T'es de retour avec nous, Mich. Attends. En tout cas, mon gars, ta carte, elle marche grave bien. Si tu te posais la question, est-ce que je peux faire des aussi gros paiements? Ça marche bien, hein. Parfait. Gros, c'est 2 caddies à rabord, ça part direct au refuge. On est pour à combien d'euros, du coup? 1205,66. C'est un vrai don. Et pour l'instant, tout est utile. Les affaires Nike, en vrai, tout le monde va en profiter. Là, le truc pour le refuge, c'est... Frère, c'est juste incroyable. Merci, Massu. Mais là, en vrai, je connais Massu, hein. Il va voir ce moment, il va dire en vrai ça me fait plaisir. Ouais. En vrai il va kiffer. Waouh. Le ticket de caisse. Mais wesh. Le ticket de caisse fait vraiment presque ma taille. C'est mal la taille. T'es mal la quichetin. On dirait c'est ça. On dirait tellement la quichetin. Tu régalerais pas des gens aussi un peu dans la vidéo là, vite fait là? Ah mais attends, mais mec t'as pas vu? Regarde sur le ticket là, juste ici. Oh. Hop les, j'ai fait tomber le ticket par terre. Hop, bah tiens, encore un code. Les petits chats et les petits chiens, ils seront trop contents. En vrai, ça fait trop plaisir ce bordel. Ah, but, ils m'attendent, hein. Putain, vraiment. Ils m'attendent, frérot, y'a pas de répit, hein. Les gars, je suis passé en mode vlog, caméra embarquée. Je vous suis, j'ai envie de voir la table. Elle est là, la table? Ouais, elle est là, elle est là. Elle est là, vas-y, je vous suis. Voilà. Du coup, c'est celle-là, la table? Ouais, c'est celle-ci. C'est celle-là, exactement. Elle est jolie, on la trouve. Ah, c'est vrai qu'elle est belle. Les pieds sont. Ah, elle est en promo, moins 20%. Bah oui, ça fait faire des économies. Bon. C'est cadeau. Il y a ma banquière qui m'appelle. Ta banquière, ta belle. Bonjour, ça va? Oui, ça va et vous? Ouais, vous êtes en tournage peut-être? Ouais, c'est pour ça les virements que vous voyez passer. Ok, c'est bon, la carte chez Nike, c'est normal? Ouais, tout est normal. D'accord, bon, je m'en doutais que c'était aujourd'hui, j'ai été voir un coup d'œil, mais il y en avait vraiment beaucoup. Ouais, tout va bien. C'est drôle qu'elle m'appelle. C'est là qu'elle a vraiment dû claquer. Oh, ouais, je pense, pour que la banquière réagisse, ouais. C'est bon, les gars, j'ai retrouvé mon chien. J'ai retrouvé mon. Ça va, je t'ai pas trop manqué. Yuri, hey Yuki, attends, il est quelle heure? Il va être l'heure de. Ouah, il est déjà 14h. Frère, le temps passe vite. Hein. Déjà, Yuki! Yuki, viens! Tiens, c'est pour Watt! Et frère, elle préfère manger de l'air. Ok, elle a l'écrou. Non, mais j'ai compris. Le jouet, c'est pas ce qu'il importe là maintenant tout de suite. Tiens, c'est pour Watt, petite friandise. Parce que tu m'as attendu, t'as été sage. Oh, ça pue de ouf. Ça fait quand même plaisir une journée sans dépenses. Je dépense rien quoi. Enfin si. Oh waouh. Quelle erreur d'avoir dit ça. Vous avez le montant total de tout ce qu'on vient de payer ou pas du tout? Ouais, c'est quand je dirais 8 700 euros. 8 700. Les gars, petit domac pour WAM, pour l'équipe derrière qui me cadre. Ça fait plaisir. Merci Massu. On va se régaler et on va faire les comptes. J'ai envie de savoir, on a dépensé combien au Nike? Parce que mon gars, je commence à avoir un petit stress. Putain les gars, je viens de recevoir. Regardez le nombre de tickets. Plus 205. Frérot, c'est un calvaire là. Je suis expert comptable ou je fais quoi? J'ai jamais vu autant de tickets de caisse.
Bon les gars, en vrai là, déjà papa. Voilà, ça c'est pour vous. Ensuite, bah il faut bien que vous profitiez un petit peu là, on régale que les gens sur Angers, donc je vais faire une petite story. J'en profite du coup, vous pouvez également aller me suivre sur Insta, comme ça vous ratez pas ce genre d'occasion. C'est la meilleure pub possible. C'est génial ça. Toi les gars, putain, il m'a sale journée aujourd'hui, j'ai récupéré une carte bleue, c'est celle de Michou. Bref, du coup je me dis bah vas-y, vu qu'on fait un échange de cartes bleues là sur ma chaîne, en vrai grave envie de faire un truc, c'est genre vous m'envoyez ce que vous voulez dans les DM là, je prends un gars au pif et je lui achète. C'est maintenant. Bonjour Massu, je veux une classe C de chez Mercedes s'il vous plaît. Les amis, j'ai le budget final. J'appuie sur égal et j'ai compté tous les tickets qu'on a payés à Nike. 4 508 euros, frère. Et on a dû régaler, je pense, au moins 40 personnes différentes. Je vais appeler Massu, je vais rien lui dire. J'ai juste envie de tâter le terrain. Hey, comment ça va toi? Ça va et toi? Dis donc mon gars, t'avais beaucoup de tickets autour de toi, dis donc. Fou. Comment ça? Tu parles de quoi? Oh là là, quel enfer! Oh mec, ma comptable, quand je vais arriver, je vais lui dire j'ai un peu de tickets pour toi, Julie. Mais t'inquiète, je viens de faire la comptabilité si tu veux savoir. Dans les comptes, on a combien? Quelques milliers d'euros. Ah non, l'enfer. Mais hey, donne-moi juste un indice de ce que t'as fait. J'ai acheté beaucoup de choses. Mec, je déteste. Eh hey, Mastu, à la base, je te trouvais gentil, je te déteste. Bisous. Il a raccroché. Mastu, tu veux la guerre? C'est la guerre. Donc les gars, là déjà, je vais me régaler moi parce que je commence à avoir faim. Et après, on va passer aux choses sérieuses parce que il m'a cherché. Mec, du coup là j'ai trop envie, là c'est simple, on va le dépouiller. Attends, déjà on finit la story, elle vient d'être mise en ligne. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont répondu? Je pense que oui, de toute façon, je sais pas pourquoi je pose la question. Alors, il y a Edris là, il dit en vrai mec, montez le bug, donc si jamais Michou veut aider et remédier. Putain, iPhone 13 ça le... Franchement mec, ça peut le mettre bien en vrai hein. Allô? Allô mon gars, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, tranquillement hein. Alors comme ça t'as un problème de téléphone? Ouais mais trop relou, genre tu sais, il fait que s'éteindre. Oh mec, je peux pas te laisser dans cette galère en vrai. Je peux tellement pas te laisser dans cette galère. T'aurais besoin genre d'un iPhone 13 Pro Max quoi. Ouais, après j'ose pas demander, t'sais jamais s'il a un petit budget et tout, je sais pas, t'sais. Non mais t'inquiète pas, t'sais, Michou c'est un peu le gars sûr en vrai de vrai. Il est grave ok avec ça, donc tu sais quoi. Tant mieux, il est grave généreux, wesh. Ouais, franchement. Un petit iPhone 13 Pro Max qui vient de partir. Bon bah ça régale quoi. Les frères, on va commencer à passer aux choses sérieuses, je vous explique. J'ai une très grande famille, j'ai 9 frères et sœurs. Je vais tous les appeler un par un. Je vais dire les gars, je vais à la Fnac, dites-moi ce que vous voulez. Un truc qui peut valoir 1000 euros, j'en sais rien, je m'en fous. Je vais régaler toute la famille. Même s'il faut, je vais appeler mes parents, je vais appeler Elsa, j'en sais rien, je vais régaler tout le monde. Frérot, je vais offrir des gros cadeaux à tous mes refs. C'est chaud hein? Un peu ouais. Bon les gars, en vrai de vrai là, 8700 euros on a abusé. Je m'en veux un peu. Michou, je suis désolé. On va se calmer à l'avenir, on fait plus ce genre de trucs. Enfin, en fait, c'est vraiment ce principe d'aller dans un magasin et de dire aux gens hey, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, on fera plus parce que c'est vraiment le bordel. On va le faire. Notre plan est très simple, on va chez JD Sport et on fait exactement comme chez Micromania, on régale tous les gens dans le magasin sans qu'ils soient au courant. Sauf que, petit problème, le magasin bien entendu était prévenu qu'on allait venir régler les articles, et en fait on sait pas trop comment, l'info a fuité. Du coup il y a plein de gens hein, qui sont au courant. Et en fait au moment où je vous parle dans cette voiture, le magasin, il est plein à craquer. Et il y a des gens qui font la queue depuis des heures avec une montagne d'articles dans les bras. Moi évidemment je vais pas pouvoir tout régler, donc va falloir que je l'annonce aux gens. Ce qui fait que la sécurité elle est venue nous chercher carrément dans la voiture. Bref, je vous laisse les images, vous allez comprendre. Hey. Regardez la queue les gars. Attends, mets-toi un peu plus sur la gauche. Ouais, je vais mettre ça je crois. Je vais décevoir tant de gens. Je suis l'ennemi public numéro 1 dans 10 secondes. Hey, tout le monde m'entend à peu près? Ok, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah. La bonne c'est qu'on va payer les articles. Mais la mauvaise c'est pas à tout le monde. Non mais parce qu'en fait à la base vous étiez pas censé être au courant et ça a fuité un peu visiblement genre. Et ça ferait un montant beaucoup trop élevé et ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais tu t'arrêtes à combien? Et bah ouais, ça sera au feeling, quand je sentirai que ça a fait beaucoup, je dirais hey les gars stop. Ça va Mich? Manchester là. Je me demande si c'est autant le bordel de son côté. Yo Mais je danse avec les stars, ça va? Ça va ou quoi? Tranquille. Les gars, je suis passé en mode incognito, casquette, lunettes. Pour l'instant ça a l'air de marcher à peu près bien.
Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Sur la route, j'ai demandé à tous mes frères ce qu'ils voulaient, etc. J'ai un frère, il m'a demandé une Switch et un téléphone. Un autre frère, il veut un MacBook. Une sœur et un frère, ils veulent vélo électrique. Bref, on a des cadeaux de baiser à acheter. On va régaler toute la famille. Je vais juste appeler mes parents. Il y a que mes parents que j'ai pas appelé. Et quand même, un petit cadeau pour papa et maman. Je me rends pas compte de combien ça représente là, juste ce premier panier. Parce que je vois, il y a un truc, une veste 150 balles. Ah tiens mon pote. Hop les. Ah, la pauvre vie. Je me demande à quel point il maltraite ma carte de son côté. Je suis là pour passer une giga commande. Les frérots, on se retrouve un petit peu plus tard. On est en pleine crémaillère. J'ai tous les cadeaux. Et il y a du monde. Les frérots, vous avez reçu un petit appel il y a pas longtemps. Ah oui. Ouais. Ah. J'ai un iPhone 13. iPhone. Ah, oh merci. Une Nintendo Switch. Je crois que par ici il y a une petite Nintendo Switch. Ensuite on va partir sur MacBook. Nouveau MacBook. C'est la meilleure, je crois que c'est un des meilleurs tournages de ma vie. C'est vraiment que de la régalade. Toi tu veux un cadeau? Je le rattrape. 450. Ok. Ah oui. J'ai du père. Ok, je me demande s'il a eu un appel de son banquier, Mich. Les gars, il manque un article. La commande est à 9 500 euros. Massu, donner ta carte bleue à un mec qui a la plus grande famille de France, c'est vraiment une très mauvaise idée. Merci Massu. Est-ce que j'annonce la nouvelle aux gens maintenant? Non, maintenant. Ah si. Non. Je suis désolé à toutes les personnes qui font la queue, mais on est déjà à plus de 6000 euros. Et c'est pas mal en vrai déjà. Jimmy. Ah, malheureusement c'est non négociable, c'est même pas ma carte bleue. Ah bah tu vois. Jijou, il va bien les deux. Ça me fait mal au cœur, mais. C'est toi ici. C'est pas un vrai. Comment ça, je suis pas un vrai, j'ai une claque ici. Bon, bah là t'arrives à un total à 10 755 euros et 94 centimes. Les gars, oh attends, j'ai envie de voir 10 000 s'afficher. Frère, c'est comme si j'achetais une voiture. Hein. 10 000 euros payés par carte, mais c'est baisé. Je crois que c'est là, j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Ah là, putain, mais non, mais là, sincèrement, merci vraiment Massu. Parce que je régale ma famille et ça fait juste trop plaisir. En vrai, c'est incroyable. Je pense même que je vais te faire un cadeau, Massu. Paiement accepté. Tout petit, les gars, il y a Michou qui a tiré toute une foule au bout du magasin. On est relativement. Ça commence à faire une petite foule. Je vais retirer une très très grosse commande. Il y a beaucoup de choses. Je vous laisse voir. Merci. Vous entendez le bruit derrière? C'est Michou qui est à l'autre bout de la snack, il sait pas que je suis là. Parce qu'en fait on a prévu plus ou moins la même chose je crois. Lui je sais pas ce qu'il fait, il est en train de faire des dépenses là-bas. Et nous on fait des dépenses ici. Par chance nous on sait pas faire repérer, pas trop en tout cas. Alors que lui là-bas c'est vraiment le zoo. Un beau bordel là. Ah ouais, je suis vraiment désolé. Je contrôle plus rien. Ah c'est parce que j'ai enlevé les lunettes. Regarde. Tout est dans les lunettes. Tout est dans les lunettes, c'est un truc de ouf. Putain, le sac il va plus être 10 kilos mon frère. Il y en a 3. 3 sacs? Ouais. Ça va les gars? Du côté de Michou maintenant. On a la commande! On passe là? Ouais. Ah ouais carrément, on se fait escorter frère. Là c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui se passe. Alors, en attendant, est-ce que ce serait pas le moment de régaler un ami qui m'a soutenu depuis le tout début sur ma chaîne YouTube? Je vous ai déjà parlé de Rafale dans la vidéoconférence. Il fait toujours des vidéos et des lives. L'idée aujourd'hui c'est qu'on va lui offrir un setup parce que c'est quelqu'un qui m'a soutenu depuis le tout début et qui me soutient encore aujourd'hui et du coup j'ai envie de le régaler. Bon là je peux pas forcément l'appeler maintenant, donc ce qu'on va faire c'est que je vais claquer des doigts. On va se retrouver quelques jours après ce que vous êtes en train de voir et on aura la réaction de Jean-Marc en direct. C'est parti. Les gars, j'appelle Rafale. Bientôt 5 millions d'abonnés. Et je viens de faire une erreur de débutant. Tout est putain de flou. Je vous mets quand même la séquence histoire que vous voyez, mais c'est très rapide du coup. Attention, 3, 2, 1. Oui. Oui, bonsoir. Gros, tu peux me donner ton adresse, s'il te plaît? Parce qu'en gros, j'ai un colis pour toi. Dedans, il y a un micro-cravate, il y a une carte son, il y a une light, il y a un stream deck, il y a un Wave XLR, il y a un micro, il y a des mousses et il y a un fond vert. Attends, mais quoi? Merci beaucoup. Ouais, pas de soucis, avec plaisir. Ouais, merci Michou en fait, ouais, c'est surtout ça. Oui, j'avoue. Les
les amis, on est devant une petite bijouterie. Mais c'est pas pour moi les bijoux. Je pourrais partir en couille totale. En mode je suis à une bijouterie. C'est parti, je prends une bague pour Elsa. Je passe la bague au doigt. Attends, j'avoue, un petit bijou pour Elsa, je viens d'y penser en fait. J'ai envie de finir la vidéo sur une belle petite note et de faire kiffer aussi Massu, lui offrir un petit cadeau qu'il peut bien aimer, je pense une montre. Bonjour. Ça serait pour une montre en cuir un peu brun et je pense avec un budget de 1500 euros. Ah bah celle-là je pense que c'est pas mal hein. Je pense clairement que ça va partir sur ce modèle hein. Très bien, bah franchement je peux même me permettre de prendre un petit cadeau pour Elsa. Je fais vraiment kiffer tout le monde dans l'histoire. Ouais c'est vraiment beau. Je pense que moi personnellement les deux me plaisent. Bah go. On fait comme ça. On a la montre et le bracelet, parfait. La carte de Massu pour son propre cadeau. Et le cadeau de ma copine. Merci Massu. Messieurs dames, on vient de sortir, on a tout en poche, ça fait exactement 6000 euros là-dedans. Et ben mec, ce que je te propose, c'est qu'on se dépêche d'aller à la voiture avant que ça crée, maintenant qu'on a réussi à sortir comptablement. On rejoint Michou et on donne rendez-vous aux gens et je pense qu'on sera tout bon, hein. Ça va être insane. Les gars, il est déjà 18h, ça veut dire que Massu là, il nous avait donné rendez-vous à 18h, donc on va le rejoindre directement. Et du coup, on va retrouver Massu, en vrai, ça va faire plaisir de le revoir. Peut-être qu'il va me rendre ma carte au bout du compte, je sais pas, j'espère qu'il va me rendre ma carte. Let's go, on prend Michou, il est au-dessus, c'est parti. Je crois que c'est là-bas le lieu de rendez-vous. Attends, c'est cette place. Eh les gars, je connais rien à Angers. Oh, mais il est là, Mais dis donc, toi. Mec, j'ai entendu parler de toi toute la journée et on s'est pas vu une fois. Attends, mais hey, on a tous les deux un petit sac. Non, mon gars, tous les deux un cadeau l'un pour l'autre. Ça fait plaisir. Ça dit quoi? Ça toi aussi, quoi. Tu m'as pris un cadeau? Ouais, c'est un cadeau de fou pour toi. Mec, ça fait plaisir de te voir en mec, vrai. Mec, vraiment. C'est que moi, je suis un peu gêné en mode j'ai peur de te dire combien j'ai dépensé. D'ailleurs, là-dedans, là. C'est pas vraiment pour toi en fait. C'est pas pour WAM? Non, c'est pas pour toi. Mais tu sais que moi c'est vraiment pour toi. En vrai, ça me fait... franchement, ça me fait plaisir. Mais t'as vu? Avec ta carte, j'en ai profité, j'ai régalé tout le monde, toute la famille, les abonnés. Même moi, j'en ai un peu profité, j'ai acheté des petits trucs à Nike. Ouais, nous aussi, on s'est fait plaisir. On a fait un. Enfin, on s'est fait plaisir. Non, on a fait attention au resto. Ouais, tranquille. Tu verras les images. Ah ouais? Attends, mais quoi? Mais tu m'as acheté une montre? Mais t'as payé ça combien? Mec, elle est trop belle. Oh, t'as payé ça? T'as payé ça? Ah ouais, j'ai payé ça combien, les gars? Ah, on rigole. Non, par contre, elle est trop belle. Tu sais que je kiffe trop les montres. C'est vrai? Ouais, en plus, j'ai pas dans cette couleur et tout. Non, elle est vraiment belle. Du coup, je pensais vraiment que tu venais avec un cadeau. Si, si, gros, c'est un cadeau en quelque sorte. C'est un cadeau que tu fais aux gens, genre. Ah! Attends, je sais pas comment on l'a. Bon, je t'explique pourquoi on est là, Mich. Oui, parce que du coup, j'ai envie de savoir, il y a quoi dans ton sac? Oh! Wesh! Arrête! Il y en a combien? Regarde, mec. Il y en a 300 et c'est une valeur de 20 euros, ça fait 6000 euros. Et on régale les abos. Là, du coup, je fais une petite story. Ouais. Comme ça, les gens ils viennent et on les distribue un peu. Attends, mais bah, vas-y, on les achète. Ils bégayent pour de vrai, genre. Tu veux que je te dise quoi? Tiens, mon ref. Avec plaisir. Merci, Michou. Ça régale. C'est bizarre parce que c'est la première fois de la vidéo que j'offre des cadeaux que je paye. Mais mec, ça fait plaisir en vrai. Moi, ça me fait plaisir en tout cas de vous régaler comme ça. Ça vient de ma poche, ça fait plaisir. Waouh. C'est la bagarre. Waouh, là, ça part en couille là. La story a fait son effet là. Et vas-y, là, enlève la story. Je l'ai enlevé, gros. Ah, tu l'as. Stop. On se calme. On crie tous un bon coup si vous voulez à 3 et après on reste civilisé. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Michou, désolé mon ref, je suis en train de partir en couille. Derrière, ils en ont pas eu. Alors qu'en premier, ils en ont eu 5. On fait une traversée? On fait une traversée. Adieu les gars. On a plus de carte cadeau les gars, mais si vous voulez, on peut faire l'outro tous ensemble. Ça peut être... Ah, c'est la fin là? Bah ouais, c'est la fin. Tu prends ma carte? Je te rends ta carte. Let's go! Sache qu'en vrai, c'était un de mes meilleurs tournages. C'est vrai? Même si je pense que là, tu m'as fait payer, je sais pas, 20 000 balles. T'as vu, j'ai régalé les abonnés, ma famille et tout. Ça fait plaisir en vrai. Ça fait trop du bien. Ça fait du bien. Ça fait trop du bien. En plus, s'il te plaît, je veux juste savoir, est-ce que t'as calculé à peu près, t'en as eu pour combien? Alors, 8 700 euros chez Micromania, 6 000 euros à la Fnac, 14 700. À peu près 6 000 euros chez Gilles Desports. 20 000 balles. Ouais, j'ai une dernière annonce à te faire. Mon gars, je te serre la main. C'est quoi le truc que tu dois m'annoncer? Je te serre la main, tu sais pourquoi? Parce que t'es l'heureux donateur de 10 000 euros de dons à la SPA. Wow. Mais en vrai, c'est incroyable! C'est un beau don, c'est un très beau don.
putain, on n'est pas au même niveau là. Bon, Mich, merci d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. C'était très cool. Merci à toi, frère. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que t'as passé un bon moment. J'ai kiffé dépenser ton argent et au final me faire bien douiller des couilles. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser votre plus beau like, à vous abonner à la chaîne de Michou, à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous d'avoir suivi. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ouais.